Bonjour les Minecraftiens, ici c'est LB35 sur une série que je ne sais même plus comment elle s'appelle, j'ai oublié son nom depuis le temps. Oui, bordel de merde, pourquoi on n'a pas tourné de MVO? Oui, eh bien on ne sait pas, parce que... Et tu viens de t'en rappeler là, t'es en contradiction avec toi-même en fait. Oui bah écoute... Il est possédé par le diable, il est possédé par le valet et le champignon. Écoute, ça fait chier dans un épisode maintenant parce que dans un quart d'heure, il y a Reset System 19 et SLG 101 qui sortent. Mais bref, on attendra ah bon un petit ah peu. Ah bah alors on arrête la musique. Non. Ouais, mais... on va pas vous faire chier, on va laisser regarder on va vous laisser regarder d'autres vidéos YouTube. Mais bah, le SLG 101 sera vous l'aurez déjà vu quand cette vidéo sortira, c'est pas bien grave, même si elle devrait sortir dans deux jours vu que je devrais speeder un peu le montage. Même si le montage me prendra plus de temps que les autres MVO parce qu'il y a des cuts au montage. Donc oui, je dérush tout maintenant que j'ai un logiciel qui me permet de le faire à peu près correctement. Sony Vegas Pro est ton ami. Le problème de Sony Vegas Pro c'est que par défaut il faisait du réchantillonnage qui mettait un flou de mouvement foutrement dégueulasse. Pour 3-4 épisodes de MVO on peut le voir. Et il fallait manuellement pour chaque fichier désactiver réchantillonnage, clic droit, propriété, gnagnagna. Et donc du coup j'ai trouvé sur une vidéo anglaise un script qui permet de l'éviter. Et j'ai trouvé... Donc, la musique de mon intro et de mon outro sans la changer. C'est outro. Bon là, il y a des grands changements. Oh tiens, bonjour vous, qui êtes-vous? Vous êtes un bûcher, est-ce que j'ai eu un briquet? Ah mince. Un boucher ambulant qui va dans les contrées paumées sur une île désertique enneigée avec un arbre géant. Hop, purée de machin. Bonjour Fanax, donc j'ai pas dit on est avec Fanax et Frosty. Fanax, faudra qu'il recorde un épisode d'un de ces quatre parce qu'il a un bon PC. J'ai un mauvais PC, donc voilà. Et il a les shaders, il tourne à 60 FPS. Non, sérieux, il faudrait que tu tournes, quoi, c'est abusé. Il a la gratuité. Je ferai un de ces jours. Genre, je tourne cet épisode-là. J'aurais trouvé un moyen de descendre de cet arbre sans me tuer. Genre, tu pourrais continuer cet épisode avec ton point de vue? Sérieux? Non? Oh bah. Bon, on va faire ça au prochain épisode peut-être, c'est bon, on va pas non plus se lancer. Voilà. J'aurais que 2-3 choses parce que j'ai des petits lags avec cette map qui est vachement gourmande. Ouais, cette map est foutrement gourmande. D'ailleurs, je me permets de mettre un pack 128 parce que bah, voilà, c'est la bite. C'est vrai qu'elle est. Mais je fais que 25 FPS en regardant en l'air, je fais du 30 en regardant devant moi. Quand je regarde le sol, j'en fais aussi du 30. C'est paradoxal, mais dès que je regarde l'arbre, là j'en fais plus que 20. Et si je regarde le sol au niveau de l'arbre, là j'en fais plus que 19. Bref, vous m'avez compris. Donc j'ai plus de bouffe. Oui, il fallait qu'on présente des trucs. Parce que la série, il faut qu'elle avance. Ah oui, on a dit on fait du contenu et tout. Ouais, on avait dit qu'on ferait du contenu, contrairement à certains épisodes, même si on va pas prendre de donjon, vu que le dernier épisode seulement dit un mois et demi, mais seulement du dernier épisode. Donc, on va plutôt aller présenter les constructions de ce très cher Frosty. Et Alfwick. Et Alfwick. Même s'il regarde pas cette vidéo, parce que... Ouais, parce qu'il y a bien d'autres choses à faire. Un MC Kitten qui nous a un petit peu aidé. Oui, un MC Kitten qui est pas abonné, mais bon... Il n'est pas abonné, mais ça reste un MC Kitten parce qu'il nous aide régulièrement. Ouais. C'est un MC Kitten, mais sans Kitten. C'est un MC Donald, donc on y est. Putain de merde. Sérieux? Alors, on fait du vrai contenu parce qu'on fait des vraies blagues. Oh mon dieu. Oh là là, ça me manquait tout ça. Alors, donc, on avait des choses à montrer du côté de chez Frosty. Donc, c'est au pied de chez Joris, le type se gêne pas, quoi. Donc, on a Frosty Air Slime ici, on a une casquette d'eau à la con ici. Et où est l'entrée, bordel? Dans Joris. Ok, attends, à l'intérieur. In the Joris, c'est la parodie chinoise de In the Panda, quoi. Exact. Allez, In the Panda, qui est un youtubeur que j'ai découvert il y a vraiment trop peu de temps, parce que c'est génial ce qu'il fait. Unknown Movies, bon, c'est réservé à un public averti, donc moi je regarde à mes risques et périls, mais tu me diras, c'est pas pire qu'un What the Cut par exemple. Tout le monde, enfin, c'est pas du tout le même genre de violence. What the Cut, c'est le genre de violence où tu pourrais rester traumatisé à vie par le truc que tu viens de voir, mon dieu, des moutons. Et Unknown Movies, c'est juste un petit peu de violence physique et verbale. Bon. Donc apparemment on est un petit peu dans le centre de commande secret des kebabs Jurik Industries. Et sur oui. Donc évidemment les têtes elles sortent pas de nulle part, hein. Les PC ils ont été créés, bah, c'est Jurik qui a improvisé. Et donc là on a un J en émeraude, bordel de merde, avec ce stock de diamants on pourrait juste se téléporter à un point complètement opposé de la map sans aucun remords. Alors, je vais vous parler de MVO5 parce que j'ai pris ma décision concernant Agul Kora MVO5 et j'ai envie d'en parler même si j'ai gardé la surprise, c'est sympa. Malgré quoi, que c'est que dans 20 épisodes, bon ça. Ouais, dans une grosse vingtaine d'épisodes. Bah, arrête de spoiler, hein. Ouais, MVO5, MVO4 devrait s'arrêter entre les épisodes 40 et 50. Je disais donc, pour ce qui est de MVO5, ce sera un serveur public ouvert à tous et on vous encouragera vraiment à partager à tout le monde. Ce sera whitelist ouverte et en gros, ça s'organisera de telle façon à ce que bah déjà, ce soit une map strictement normale comme elle a rarement été aussi normale, une map Minecraft, avec un spawn où il y aura des lieux de manière à organiser 2-3 events. Et comment dire... Donc
en fait, Minecraft vous êtes offert deviendra un serveur. Minecraft vous êtes offert deviendra un serveur, tout à fait, c'est précisément ambitieux. Et c'est, bah, c'est... En Minecraft vous êtes offert 5 sera un Minecraft vous êtes offert dans le nom, finalement. Ouais, ça rentre beaucoup mieux dans le nom, faire participer les abonnés. Puis il y aura des petits rangs comme ça, genre nous on aura le pseudo en orange, les abonnés plus actifs l'auront en jaune et les autres l'auront en blanc. Et les gros connards seront bannis du serveur et n'auront pas de rang particulier du coup. Ben oui, on n'accepte aucune forme de cheat, on n'accepte aucune forme de griffe, il n'y aura pas de plugin anti-cheat, on vous fera confiance et au moindre travers, la série devra s'arrêter et ce sera de votre faute, vous êtes prévenus. Allez, on parie sur le nombre d'épisodes ou... Non, sérieux, on vous fait confiance, on sait que vous êtes capable de bien faire les choses, mais justifiez pas avec un troll. Le seul qui peut se justifier de dire que c'est un troll et que j'accepterai l'excuse, c'est Démon3X, tous les autres n'ont aucune excuse. Donc s'il vous plaît, ne venez pas gâcher le plaisir des gens et puis on vous en redira plus quand le serveur sera annoncé. Ce sera probablement un serveur Freecraft Maps, hein, de toute façon on peut pas tellement faire mieux. Sauf si on active la modélisation et qu'on paye un petit OMG serve à 2€ par mois. C'est un autre mais après bon ça faudra voir la YouTube Money. Mais ouais, ça dépendra de la YouTube Money, faudra que j'active la monétisation, entre temps faudra qu'on prenne une décision. Mais bref, alors donc on a fait le tour vite fait, est-ce qu'on a fait le tour entier? Je vais revérifier quand même. On a à peu près tout vu. Hein, le... Ah, tiens d'ailleurs, à propos, pour ce qui est du générique de MVO5, j'aimerais bien que ce soit toi qui me le fasse, Fanax, que tu me fasses une reprise du générique actuel. Pour qu'on se débarrasse un petit peu de Kevin MacLeod qui n'a rien demandé. Il est gentil, Kevin. Oh là là, oh là là. C'est Kevin, mais pour MacLeod. C'est un Kevin ultra célèbre qui fait de la bonne musique libre de droit, comme quoi Kevin ça veut pas tout dire. C'est le seul Kevin que j'admire sur Terre. En même temps, je le connais pas tellement, heureusement. Moi j'en connais un IRL qui est très sympa. Purée. Eh non mais Kevin, non, faut que j'assume parce qu'il y a des gens IRL qui connaissent mes vidéos. Ma prof d'EPS connaît mes vidéos, bordel de merde. Donc oui c'est vrai en plus. C'est la preuve. Non sérieux, je lui ai fait la promotion aujourd'hui en vie scolaire mais... Parce que en fait, on faisait nos devoirs et elle regardait un petit peu ce qu'on faisait. Elle m'a demandé ce que je faisais. Je disais que je relisais le script du deuxième épisode des Chroniques de l'Explorateur. Alors là, bon. C'est quoi les Chroniques de l'Explorateur? Eh ben, vous le verrez en vous abonnant à ma chaîne perso. Même s'il n'y a pas encore d'épisode de sortie, ça devrait être le cas d'ici début décembre. Voilà, j'ai fait bien assez de teasing dans cette vidéo. On est dans les plaines glacées encore une fois. J'aimerais beaucoup construire des trucs, mais pas sur cette île-là. T'es sûr quand quand tu dis plaines glacées? Viens me voir. Oui, ouais, merde, sur la carte, t'es pleine glacée, c'est bien plus loin que ça, mais... Alors, ouais, vas-y. Mais t'étais en créa si tu te mets en survie. Oui, j'étais en créa et je te l'avais dit. Mais pourquoi tu es resté si longtemps en créa? Et qu'est-ce que je foutais sur le Fantabob World avant? Sérieux? Et pourquoi j'ai perdu une game de Splatcube alors que l'équipe adverse a eu 57,4% et que je n'ai pas obtenu de gem? Pourquoi j'ai frag un type qui s'appelle Estec92? Bah, venez voir. Et pourquoi le Brobot a banni Willy2411? Et pourquoi il y a un légendaire qui a rejoint le hub? Et pourquoi il y a un VIP plus qui a rejoint le hub? Bon, est-ce que Fanax, c'est vraiment... enlève-toi. Et pourquoi Frosty et Fanax ont joined la game? Et pourquoi j'ai remis l'heure à zéro? Et pourquoi la vie? Et pourquoi tu m'as balancé des... Ah non, c'est y a une balise en fait. Tu vas bien Frosty? Oui, ouais, ça va. Alors, je sais même pas s'il y aura des trucs à condenser. Ça va, l'épisode est dynamique, il n'y a pas un seul temps mort, c'est génial. Oui, dynamique, on saute partout. Youhou. Oui, oui. Ma maison, oui, elle est ici. Viens voir. Donc, ouais, dynamique, prenez du sucre. Ouais. Ou bien alors, une autre genre de poudre blanche qui est dynamique aussi, mais qu'est-ce que ça fout là, ça? C'est tellement hors sujet par rapport au reste. What? Voilà. Y a des haïbales derrière. Tout ça. Ça va. J'ai envie de reprendre le pack que j'avais dans MVO, saison 2. Non, tu touches pas. Et qu'avait Elvie en 2012 et 2011. Tiens, l'argent des abonnés. J'ai envie de reprendre ce pack, mais bon, je veux garder le même pack pour la série. Merci pour l'argent. De rien. Purée, c'est Selby qui a tout pris. Non. Tiens, c'est toi. Fanax. Ah non, c'est bon. Fanax. Oh, il prend tout l'argent. Viens, Fanax. Mais non, j'ai bel et bien l'argent des abonnés. Tenez l'argent des abonnés. Tiens, je te rends l'argent des abonnés, Fanax. On ne monétise pas la vidéo, je pense que c'est assez clair comme ça. Les 2-3 seules vidéos qui sont monétisées, c'est pas pour nous qu'elles le sont, c'est juste parce qu'on a utilisé de la musique et oh mon dieu, c'est un crime d'utiliser de la musique. Donc. Sauf Kevin MacLeod, vive Kevin. Sauf Kevin MacLeod et Tobu. Non, Tobu il dit rien, c'est. Sérieux. Ah. Bon, sinon il serait pas aussi utilisé, hein, Tobu. Oui. Et j'aurais pas d'alter de bloc. Je viens de la finir de ce peu. Ce serait bien de prendre MC Edit et d'emmener ça sur l'arbre en fait. Ce serait tellement plus cool. Ah, ça là? À moi? Chez moi? Bah, chez moi, non, mais c'est mon chez moi. Ouais, chez toi, c'est mon chez toi, mais bordel de merde. Il y a une jungle en plein milieu de la glace.
avec purée, ça rend vachement bien de nuit. C'est ma jungle. Faudra juste faire un petit lumière. Il n'y a pas de toit. Pour la peine, le toit ce sera ça. Voilà. J'ai pas de pelle. Si, j'ai une pelle en plus. C'est bon. Je vais prendre un petit peu de neige. Un petit peu du toit. Tu veux faire un bonhomme de neige? Non. Merde, je confonds avec la laine blanche. Je crois que c'est pas une mauvaise idée. Je vais me fabriquer une pelle, tiens. Moi, j'ai déjà la mienne. J'ai la pelle ou à Pedro? La pelle à Pedro. Ah, mon dieu. J'ai la pelle à Pedro. Merde. Ah non, j'ai pas assez pour faire mon toit. Bon, bah, c'est pas grave, je fais les finitions à la pierre et au bloc d'or. Je vais regarder un petit peu. Tiens, j'ai une plaque pondérée. Alors, donc, je disais, que fait-on? Eh bien, nous faisons. Je sais pas, je suis en train de me crafter une pelle pour aller péter des. Pour péter de la neige. Pour faire des bonhommes de neige. Parce que voilà. Et moi, il me faut des torches du reste. Moi, je vais immédiatement chanter Let It Go. See, these are good girls that you always have to be. Personne n'a de citrouille par là. Non, par contre, j'ai plein de neige. Quand je dis plein, j'ai image de sac. So no, hop, say no, oh non, let it go, can't hold it back anymore, let it go, turn no away and slam the door. Désolé. Je crois qu'il faut que je m'enfuis, je vais me déconnecter. Non, mais sérieux, c'était trop tentant. Alors bon, si vous libérez le CLB, conjugué au féminin, bah, c'est Frosty qui m'a kické, c'est que Frosty c'est en fait une fille. Mais là en fait c'est le contraire, c'était justement c'était pour moi que je te dis, c'est pour toi en fait. Ouais, sauf que tu sais accorder un nom. C'était fait exprès que j'ai mis féminin en fait, c'était une référence à Valiel. Ouais, sauf que dans le jeu de rôle. Une référence à Valiel, mais vais-y remettre. Bah si, parce que même il y avait une archer qui était meilleure que toi. Pardon? Tellement. Mais va te faire mettre. Alors, non, mais sinon, si tu dis que tu es libéré de CLB, libéré sa corde, enfin, sa corde, si, avec le sujet en l'occurrence, c'est Frosty. Et Frosty est donc conjugué, accordé, bordel, au féminin, donc du coup, Frosty est une meuf. Toi, hein. Frosty est une fameuse. Voilà, c'est dit. Oh. C'est pas gentil. Donc... C'est pas non plus gentil de dire que c'est pas gentil. Hein. C'est pas gentil de dire que c'est pas gentil, ouais. Soyez gentil, s'il vous plaît. Vous êtes tous intolérants. Sauf que si on est seulement intolérant envers les connards, à la limite, c'est pas la forme la plus grave d'intolérance, j'ai envie de dire. En fait, là, tu viens juste de faire une grosse référence à l'épisode 5 de Mathieu Sommet, en fait, justement. Ah bon? Bah oui. Bah, l'église du bon du bien. Oh, je vois pas trop. Ah, ça dépend, si ça part en religion, évidemment. Ils sont intolérants envers les connards aussi. Sauf qu'ils vont un peu loin, les connards ne méritent pas le bûcher, les connards, faut juste laisser vivre dans leur délire. Ça dépend, quoi. Tout le monde serait d'accord pour dire que Hitler est un connard. Non, gna. Sauf une 24. Je pense qu'il était un peu mal de ne pas avoir été accepté à l'école d'art, je pense que si je pouvais envoyer un mail dans le passé, ce serait à cette école d'art pour dire « Tiens, l'élève Hitler Adolf, là, il a l'air plutôt compétent en dessin et tout, il a dessiné des personnages Disney, et assez talentueux en plus. » Donc acceptez-le s'il vous plaît, ça nous évitera une guerre mondiale. Merci bien. Au revoir. Mais t'es qui? Je suis l'explorateur. Et pourquoi t'en fous un mail alors qu'on n'a pas tout qu'on a oui, je comprends pas comment on dénote. Je fais une référence à une série qui n'existe même pas encore. Cookie. Comment on fait les cookies déjà? C'est en soi une référence à Doctor Who. Comment on fait les cookies? C'est une référence aux chroniques de l'explorateur qui sont en soi une référence à Doctor Who. Et les cookies, c'est blé, cacao, blé. Oh, oui, je vais chercher du blé. Bah, je vais faire du cookie. Je viens d'exploser la gueule d'un squelette. Et pourquoi on parle d'Adolf Hitler sur MC? Mon dieu, on de bordel de... C'est dynamique. Oui. Le nouveau PC de Mr. Fanax. On a parlé de drogue et d'Adolf Hitler. Mon dieu, mais c'est tellement Peggy 18, la MC4 Team, en fait. Tiens, tu le mets. Les jolis arc-en-ciel, le petit... Ça rameutera du monde. J'aurais de quoi? Si tu le mets dans les tags, tu crois que ça remettra du monde aussi? Ouais, faudrait juste que, je sais pas... mettre, je sais pas, une jolie fille en miniature. Là, par contre, tu aurais du people. Là, ça marcherait bien. Wow, il y aurait du contenu dans MC4. Oui, ce serait du contenu clickbait. Mais c'est pas bien grave, à la limite. Non, on fera jamais ça, putain, notre intégrité, bordel de merde.
Quoique. Mais tu vas pas bien, toi. Tant que je serai vivant, bah déjà, j'ai toujours un droit de veto sur tout ce qui se passe sur la MC4, quel que soit son créateur. Moi aussi. Donc, à moins qu'il y ait un sens vraiment. Non, toi, t'es juste gestionnaire des communications. T'as pas de. Je crois que tu peux poster des vidéos, mais pas trop éditer non plus. Je suis un mec qui peut éditer, mais pas trop non plus, quoi. Ouais. Tous les autres sont considérés comme administrateurs, mais toi, t'es gestionnaire de communication jusqu'à preuve de. Gestionnaire de communication, tu es community manager quand on y est. Community manager, autrement dit, lis mes commentaires, esclave. Bah, y'en a jamais. Mais va te faire fou. Y'a que moi quand même. Mais ta gueule. Imagine bah, le community c'est manager qui s'en a posté. Mais genre, la vitesse à laquelle Tropicana m'a répondu quand je les ai tweetés, me disant que comme quoi ils sont aux États-Unis et que j'ai pas à les tweeter en français, merci. Et bah franchement ça m'a impressionné, mais bon à mon avis le community manager qui lit les tweets comme ça qu'ils ont posté à Tropicana, je suis pas sûr qu'il est très heureux de son métier et de sa vie. Spécial dédicace à Tropicana qui met sur ses bouteilles de jus de fruits mis en boîte en France ou en Belgique. Ils savent pas en fait, ils sont pas sûrs. D'accord, la neige ça fond pas avec les torches de Redstone. Non. Ok bah c'est bon. Vous avez vraiment pas de citrouille, c'est la loose. Bah oui. Non, on a pas de citrouille, y a pas ça dans les donjons qu'on attaque, y a que des ressources précieuses en fait. Mais tu sais, on a les émeraudes. Tiens, je vais dropper 3 émeraudes dans la lave et je vais te giver une citrouille. Les émeraudes. Non, je vais le faire moi-même, pas la peine. Qu'est-ce que je fous au niveau de chez Bigoz, moi j'ai 50 mètres à parcourir là. Plus que ça en fait, mais... Vous m'avez compris, s'il vous plaît, arrêtez de chipoter sur des détails aussi. Est-ce que je vous pose des questions, moi? Bon, je vais d'accord qu'il parle tout seul là. Pas vraiment, enfin oui, tu parles un peu tout seul. Mais arrête de nous harceler. Il y a des viewers hein, aussi. Ah bon, je suis dans le noir total, je vais juste aller allumer la lumière et grâce au montage ça s'effacera. Magie du montage. Magicien. Quoi, je vous ai manqué? Oui. Je vous ai manqué? Non. Non en fait. J'ai juste eu le temps de faire un jingle. Un mini jingle. Ah, tu vois en plus. Citrouille pumpkin. Qu'est-ce que tu fous, Bolos? L'architecture, ce nom Frosty 29. Alors, spécial dédicace à Saint-Georges qui verra peut-être cette vidéo. C'est pour toi, mon jeune ami, celui qui rate aucun lancé. D'ailleurs, on sait pas trop ce qu'il fout, Saint-Georges, en ce moment. Je crois que. Il est AFK. Je crois qu'il est cryogénisé en fait. Oh, il va se réveiller dans plusieurs siècles. Hein. Pour reprendre la chaîne. Parce qu'il a pas envie de te parler. C'est juste qu'il veut pas te parler. Okay. Non mais sérieux, je pense que là je lui ai donné trop de responsabilités en faisant la MC4 en fait par rapport au temps qu'il a de disponible. Il s'est mis en PLS tout de entre temps. Dragonia 5985. Qu'il ne gère plus maintenant, j'ai envie de le dire. Qu'il gère par rien, j'en sais rien. Non, c'est bah, Fanax. Je m'occupe pas du projet. Il monte en fait. Ses épisodes en attendant. C'est vrai qu'il manque 16 épisodes. En sérieux, faudrait que tu récupères les épisodes dès que tu les montes, ça irait plus vite. Et il y a un LP Portal 2 qui traîne des pieds depuis 3 mois, bon. Ce serait pas plus mal en fait. Est-ce que je suis le boucher ou il y a un. Non. Il y a un LP Portal 2, je crois qu'il fait des trucs avec Volker, mais je sais pas exactement, je suis pas très renseigné là-dessus. Ah oui, bah avec moi aussi, ça va être sûrement un display sur Pokémon. Sûrement, on n'est pas sûr, faut voir. Ça va être bien. Display chacun. Oui, donc je vais aller brûler quelques émeraudes. Bon, là ça fait 20 minutes qu'on tourne, en théorie c'est l'heure d'arrêter l'épisode. Oui, bah attends, avant je vais te montrer, c'est à la fin. C'est là qu'on se rend compte, quand on est à 10 mètres, on ne peut plus lire le pseudonyme, c'est là qu'on se rend compte que les définitions des écrans sont pas si élevées que ça. Bon. En l'occurrence, moi je fais du 900p, bon. C'est pas du 1080, mais c'est du 900p quoi, c'est censé être la qualité standard. Donc. D'ailleurs, du coup, vos vidéos sont pas vraiment en 1080p. Vos vidéos préférées de vos créateurs sont pas vraiment en 1080p. Mais en 900p et on vous emmerde parce que de toute façon, vu que vous regardez majoritairement les vidéos sur smartphone, que ce soit 360p ou plus, vous vous en foutez complètement normalement. Mais Bah, c'est pas grave. Non, rappelle-le quoi, sérieux. Non, mais il doit être là. Mais peut-être qu'il troll, on sait jamais. Bah, il a quitté la combe en bonne et due forme, hein, j'ai vérifié. Bon, viens. Il a quitté la combe en bonne et due forme, je te dis. Ah, ok, donc on va finir l'épisode que tous les deux. Hein. Ouais. Et juste à ce moment-là, il vient d'arriver. Il m'a vraiment fait peur ce con. Mais je connais tellement bien Fanax que je savais qu'il allait revenir. Putain, tu mais me dis pas ça, je le connais depuis que j'ai 3 ans. Je t'interdis de dire ça devant moi. Bah ouais, mais tu le connais moins bien que moi alors là. Mais tu veux faire ta gueule. Mais c'est vrai. La vulgarité du ciel. Tu l'as jamais vu IRL, je crois. Non, bah je te connais IRL, ok hein. Je vois presque toutes les vacances donc.
Sauf que là, non. Là, pour la peine, je vais casser cet enclume-là. Mais fais pas ça. Les arguments. Non, mais je vais utiliser. Allez, il est temps de chanter libérer des livrets en construisant des bonhommes de neige. De cafeter. Ah, c'était quoi, c'est quoi ça? Désolé. Le boucher. Le boucher. La la la. La la la. Genre, le PNJ qu'on a vu tout à l'heure, il fait porter sa voix à ce point-là. Voilà, bon, bah, c'était le caméo du boucher. Bon. C'est trop mignon. Bon. On va l'appeler Marcel. Non, j'ai trouvé son nom. Marcel. Il est idéal. Non, ton Marcel, tu te le fous dans les 1. Mais je sais pas, j'aime bien donner des prénoms nazes au golem. Ah, mais j'ai. Ah, au golem, hein. Jory, il est où notre. Il est où notre boucher? Si tu dis que Jory c'est un prénom naze, je peux. Non, c'est très bien, c'est très bien. J'espère qu'il n'entend pas. Tu tiens à ta vie surtout là, mais. Ce n'est pas une dictature, louez, soit notre grand. Par contre, il est où notre petit boucher de là? Sachant que je suis pas sûr qu'on puisse appliquer. Aux dernières nouvelles, on peut pas appliquer un name tag sur un villageois. Eh ben si on pourra. Vos dernières nouvelles, je le ferai. Where is the Frosty? Je t'ai paumé. Oh mais! Tiens, je vois Mr. Fanax. Ça a vraiment pas beaucoup de points de vie, ces saloperies. De quoi? Tué. J'étais en train de creuser un truc, je lui ai donné un coup de pioche, il est mort. Mais qu'est-ce que tu dis? Et tu voulais l'appeler comment? Non, en fait, je vais te montrer ce que je vais faire. Ça va être totalement bien, voilà. T'entends moins bien. Bon bah voilà, ce bonhomme de neige était un échec. Tout cet épisode n'aura servi à rien. Donc, dis pas ça. Attends. J'appellerai les Let's Go l'épisode. Histoire de faire des vues. Non, je déconne. Sérieusement. Voilà, on aura appelé l'épisode Gang Bang. Non. Tellement de références, tellement. Ouais, référence à quoi exactement là? Mais le mec, il garde jamais. Putain, mais toi, tu t'as jamais regardé SLG100 en fait. Mais si, j'ai regardé SLG100, mais c'est un terme totalement générique, ça. Qui n'a pas associé à SLG100 particulièrement. Si. Sinon, tout le vocabulaire que j'ai dans SLG100... Bah non, mais... Ah, viens, mais je vois de quoi tu parles, attention, mais... le mot bonjour et copyright. Ouais, non, mais je veux dire, le mot il appartient à SLG100, maintenant. Bon. Et la lettre E aussi, faites gaffe. Faites gaffe avec la lettre E. Un droit de 50 centimes. Ouais. Gros teug. Putain, mais qu'est-ce que tu fous? Laisse faire. Mais non, mais il n'y a qu'un Joris. Non, c'est pas un Joris. C'est pas un Joris. Laisse-le. Laisse-le en vie. C'est le mien. Ah bah, c'est très convaincant. Qu'est-ce que c'était bien? Non, essaye de casser, de remettre. Ça n'a pas de sens, là. Voilà, donc je repose. En game mode 0. Ah oui, pardon. Je crois que ça marche en game mode 1, mais dans le doute. Invocation. De toute façon, c'est... Mais non, mais je voulais l'appeler le boucher de qualité, en fait. Le boucher de qualité. Ah bah rien, tout le monde dira de nouvelles. Ah bah évidemment. Tu veux qu'on renomme le PNJ en fait? Ouais, voilà. Et cool. En fait, c'est un golem égyptien. Sauf qu'au lieu de ça. Je vais te le faire, tiens. Non, mais t'inquiète, hein. Entity data. Carrément, ah bah, oui. En fait, égal. Pourquoi les golems de fer ne spawnent plus? Eh bien, parce que c'est la mort, c'est tout. Y'a pas de problème. Custom Nam. Bah écoute, je vais le prendre pour faire un nouveau bonhomme de neige. Alors, Mince, pourquoi j'ai mis un crochet? Je n'arrive même plus à maîtriser les commandes. Bon. Custom name égale le boucher de... Comment tu écris qualité? Avec un grey. Je trouve ça ridicule maintenant, même pour la parodie, mais bon. C'est pas grave. Le boucher de qualité, et maintenant tu ne bouges plus, Hunt. Tu ne sortiras plus jamais. Bon, je ne sais pas le rapport entre un boucher avec un accent bizarre et un accent allemand. Alors pourquoi tu dis qu'il est bizarre alors que tu le fais? Ah, c'est pas grave. On s'en fout, c'est n'importe quoi. De toute façon, cet épisode n'a aucun sens depuis le début. Si, on a que ça, un nouveau PC. On a que ça, un nouveau PC, j'ai chanté Let It Go et on a découvert la Batcave. Qui a fait quoi là? Voilà, et on sait comment augmenter le référencement sur YouTube. C'est bon. Le tapis noir, s'il te plaît. Tapis noir. Pourquoi? Mais espèce de bande raciste. C'est moi que je traite de pourquoi raciste. C'est tout le temps moi, les noirs, hein? Mais j'en ai marre! Tout ça, c'est tout le temps les noirs qu'on est par terre. Il y a aussi des blancs par terre, hein, je dirais. Ah bah c'est des bien rouges alors. Aussi, il y a même des rouges. Les jaunes, ils sont où, hein? Ah bah les jaunes, il n'y a pas de jaune. Il n'y a pas de jaune dans cette région. Les ch'tis, ils sont où? Il n'y a pas de jaune, bah oui. Bah oui, c'est raciste ça aussi. Mais c'est juste en fonction. Si, il y a du jaune là, regarde. S'ils étaient là, on les mettrait par terre comme les autres. Hein, mais... Les jaunes, ah bah oui, c'est. Tourbi, tu crois quoi? Il va nous mettre en deux. Oh là là. Oh, c'est déprimant, c'est.
cette conversation. L'épisode du racisme. Donc, on va s'arrêter ici parce que ça part vraiment en steak haché. Donc, j'espère que ça vous aura plu quand même ce magnifique comeback de Minecraft cette saison 4. Attends. Donc, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Si vous êtes du point de vue de Fanax, ça dépend du Fanax. Ce serait cool quand même. Oui, un jour. Un jour, pourquoi pas aujourd'hui? Bah, pourquoi pas. Et bah, on y va. Donc, sur ce, je vous remercie du visionnage et je vous dis au revoir et à bientôt, Fanax View. C'était c'est. Voilà. Bordel. Excellent, parfait. Bah. La synchronisation. Quand même, on a fait du vrai contenu. On a mis un PNJ derrière une table. Alors, ça fait quoi des ouais. Poches? Oh, bon, t'as tiens. Allez, tiens, attends, en plus, on va le mettre en laisse. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vert parce que ça pousse. Parce que les chaînes, ça les pousse vers le haut, lol. Donc voilà. Oh, salut. Et montrez des vidéos à vos amis si elle était rigolote. Si vous parce que comme ça, vous vous donnerez le sourire à vos amis et ça fera de vous un bon être humain. Donc, et allez, si vous salut. Êtes un bon être humain, vous êtes un bon MCKTien. Non, ce qui m'était un peu. MCKTien. Hein? De quoi? Rien. Non. Ok, au revoir. Allez, à plus. Salut. C'était Frosty en fait.